Hey yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore petite vidéo sur Hogwarts Legacy. Et là, comme vous l'avez vu dans l'épisode précédent, on était un peu bloqué au niveau des quêtes secondaires, on en a plus trop. Bon, entre l'épisode précédent et celui-ci, j'ai un peu tourné dans la map, j'ai un peu farmé quelques compos et du coup je me suis permis de récupérer quelques quêtes secondaires qui m'avaient l'air ma foi pas très dures à faire. Mais là on va continuer sur la quête principale, du coup on va aller sur la salle de... on va aller dans la salle de la carte. Et puis on va continuer du coup un peu l'histoire principale parce qu'on est un peu en arrière là. Je pense qu'on n'a plus grand chose à faire tant qu'on n'avance pas dans la quête principale. Enfin si, on pourrait continuer à explorer, capturer les animaux, faire des petites choses comme ça. Mais bon, il faut quand même avancer sur l'histoire principale quand même. Sinon on va pas faire grand chose. Putain, j'aurais peut-être dû me TP quoi, je pense, non? Je sais pas hein. Peut-être dû, hein, parce que ça fait loin, je pense, pour aller à la savoir parce que c'est tout au sous-sol. Ah, j'ai mal prévu le coup, mais bon, vas-y. Si on a 2-3 petites conneries à récupérer avec le Revelio sur le passage, merde, c'était pas par là. Si, elle était par là. Je sais pas si on a 2-3 petites conneries à récup. Il doit pas me rester grand-chose, il me reste une énigme de Poudlard encore à faire. Mais je vois pas du tout où elle est. Je vois pas du tout ce que c'est et où elle est. Il faudrait que je me renseigne de savoir au moins où la trouver. Après, comment la faire, bah, on se démerdera tout seul, mais pas regarder la solution sur internet. Au moins savoir où elle se trouve, ce serait peut-être pas mal. Parce que là, je sèche complètement en fait. Je vois pas du tout où la dernière énigme se trouve. Je vois même pas encore qu'est-ce que je n'ai pas encore exploré. Enfin, si, là, il y a l'air d'avoir 2-3 conneries. Voilà, genre ça, je l'ai pas fait. Ah bah tiens. Ça notamment je l'ai pas fait. Ça se trouve toutes les énigmes c'est de faire tout ça. Hein. Alors 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc c'est ça. Et l'autre, il est où? Il est là. On est à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Attends, non, faut que ça fasse 9, je suis trop con. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et bah le poney encore. Enfin le poney, qu'est-ce que je dis, la licorne putain. La licorne Zeb. Donc il y a ça, récup. Ça aussi on doit pas être loin d'avoir fini tout ça, tout ce de Poudlard. Qu'est-ce qu'on a gagné? Bannière des maisons suspendues. Et là j'ai vu qu'il y avait un, ah bah juste là, et un petit coffre encore. Ok, on peut y retourner. Ok, let's go. Let's go à la salle de la carte, du coup. On va... on est où, là? Ça me dit rien. Putain, c'est vrai qu'il y a ça derrière, là. Mais tu sais que je sais pas comment y aller. Je sais pas comment aller là-bas. Ce coffre-là, il va rester là un moment, je vous le dis. Ah, il y a des trucs ici qu'on n'a pas. Ling. Ah ouais, c'est vrai qu'ici... bah voilà, maintenant on peut faire ça. Oh, c'est beau ici. Hein? C'est toi qui as mis en place les épreuves de Merlin? C'est une salle de cours, ça, je crois. Cours d'alchimie. Ce sujet obscur est proposé aux élèves les plus âgés dans les rares cas où la demande est suffisante. La chimie se concentre sur les 4 éléments naturels. Ok, donc c'est une salle de classe alchimie. On a récupéré un manche de baguette qui a l'air bien dégueulasse. Ah, m'empêche, des manches de baguette, ils en ont mis énormément. Ça, c'est cool. J'espère qu'ils vont rajouter du contenu quand même assez rapidement. Alors, pour ça, il faut rentrer là, aller dans la crapaud là qui va nous manger. Qui va nous faire arriver là, parce que là il y a quoi? Il y a ça, mais ça on s'en fout maintenant. Je peux aller là. Non, là je peux pas, oui. Donc faut que je prenne lui. Qui nous amène ici. Ou là je récupère ça. Et lui qui nous amène en face. Et là qu'est-ce que j'ai à récupérer?
rien ici. Je suppose que lui nous fait descendre. À ce gros coffre. Il nous donne un petit légendaire. Attends, là, faut que je me retape tous les crapauds là. Ah ouais, c'est à moi que je puisse sauter. Ouais, c'est bon, on peut sauter. Mais est-ce que je vais mourir? Ouais. Ah non, même pas. Ok, parfait. Réveillon. Je regardais s'il n'y avait plus rien à récupérer. Merde, c'est par où moi? C'est par là-bas du coup. Du coup, moi, c'est par là quoi. Allez, let's go. Alors, moi, je le remarque. Si... Merde, si on regarde ici, carte. Qu'on se met sur la carte du monde et que je mets mon curseur sur Poudlard. Des coffres de collection, il nous en manque. Des pages de guide des sorciers, il nous en manque. Statue de demi-guise, on a fait. Table astronomie, il m'en manque. Mais alors là, je ne vois pas du tout où elle est. Par contre, je vois pas du tout où elle est, la table d'astronomie. Hein. On a fait celle pendant le cours et apparemment, il y en a une à Poudlard. Alors là, ouais. Je vois pas du tout où ça se trouve du coup. J'ai toujours dit que voyager... Alors messieurs, ouais, je viens pour la... La troisième épreuve. Ouais, j'ai fini la deuxième, c'est ça. Cette jeune personne. Son aptitude pour la magie. Mais sous-estime-moi pas, ce cousin. Que j'ai pu voir. Et cela fait bien longtemps. C'est une joie d'avoir un tel élément. Parfois, oui. Voilà. Bien sûr, je suis là. J'ai reçu votre hibou. J'ai pu m'entretenir avec Lodgok, le gobelin dont je vous avais parlé. Et qu'avez-vous appris? Ranrok et lui étaient proches. Mais ils se sont disputés. Pouvons-nous lui faire confiance? Ouais, je pense. Hein. Je pense que oui. Il avait l'air sincère. Et Sirona Ryan lui fait confiance. Très bien. Dans ce cas, nous aidera-t-il à nous rapprocher de Ranrok? J'ai récupéré un home volé qu'il espère rendre à Ranrok afin de regagner sa confiance. Je vois que vous n'avez pas chômé. Espérons que cela nous permettra d'en savoir plus sur les plans de Ranrok. Lodgok a dit que Ranrok cherchait quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Ce home apportera peut-être des réponses. Ranrok recherche quelque chose. C'est ce que je craignais. J'ai entendu une activité inhabituelle lorsque je suis passé dans le portrait de mon château. Des gobelins et des sorciers, je crois. Le château de Rockwood ? Ouais. Mon ancienne résidence, oui. C'est aussi dans ce château qu'aura lieu votre prochaine épreuve. Let's go! La deuxième épreuve! Ah merde, j'avais pas vu en bas à gauche. Vous n'avez rien vu? Vous n'avez parlé à personne? Non. En fait, je suis resté caché. Je n'y suis passé que récemment et je n'ai reconnu aucune des voix que j'ai entendues. Cela m'inquiète fortement. Je suis resté hors de vue pour ne pas leur donner l'idée de détruire mon portrait. Ouais. Je dois vous informer que Victor Rockwood, votre descendant, est un mage noir. De mèche avec Ranrok. Mon descendant? Un mage noir? Alors nous devrions nous hâter. Malgré les obstacles qui vous attendent, vous devez vous rendre au château de Rockwood immédiatement. La prochaine épreuve s'y trouve. Allez. Ainsi que des secrets qui pourraient s'avérer dévastateurs entre de mauvaises mains. Vous comprendrez lorsque vous aurez réussi l'épreuve. Sur place, essayez de trouver mon portrait au plus vite. Très bien. J'y vais de ce pas. Bonne chance. Pas de temps à perdre. Je vous rejoindrai au château de Rockwood. Bah let's go. Mais par contre, je vais peut-être pas me retaper tout le chemin à Yep là pour sortir parce que ça fait sacrément loin. Putain, ça s'est pas mis à jour, mais... On va stepper genre quelque part par là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va me rester pas mal de grottes à faire encore. Donc normalement ici... Ah putain, il y a ça qui est apparu. Il y a ça qui est apparu. Donc normalement ici, tu vois, enfin, vous voyez tous les trucs de Merlin où, la, où les grottes ont été, ont été clean. Ici on a tout fait. Il me restera l'arène à faire seulement. On en a fait une dans l'épisode ou encore l'épisode d'avant, je sais plus. Normalement tous les villages ici, ils sont clean aussi. On les a fait. Donc ouais, il va rester 2-3 petites bricoles, notamment les grottes. Mais ouais. Il va rester une grotte dans le nord.
Là, il va rester 2-3 grottes encore à faire. Et tu vois, c'est à partir d'ici là, cette limite là, et jusqu'à bah, tout ça à faire encore. Voilà, il y a quand même pas mal de petites choses, quoi. Donc on va stepper là, comme ça on va faire ça, ça. Alors je vais mettre un marqueur tout de suite. Et tout en allant du coup à la quête principale. Je pense qu'on va faire que quête principale into Merlin sur le passage. Et pas m'attarder sur... On va pas s'attarder sur 46 millions de trucs. Qu'est-ce qu'ils veulent, vous, si proche là? Parfait. Allez, j'ai remis ce balai là, j'aime bien changer tout le temps. Alors, petite épreuve de Merlin, c'est quoi ça? Il faut casser ou il faut les réparer? Je sais plus. Il faut les casser. Ah merde, il en reste un. J'ai voulu faire le kéké à vouloir aller vite. Mais du coup, je vais quand même faire ça. Ces épreuves de Merlin ne me résisteront pas. En soi, les épreuves de Merlin, il va nous en rester quand même un paquet. Parce que vu qu'on n'a pas découvert encore toute la zone sud de la map, il va nous en rester un paquet. Alors celle-là, qu'est-ce que ça va être? Réveillon. Là-bas, il y a du bleu. Là, il y a du bleu. Et là-bas... Oh, ok, c'est bon, j'ai compris ce que ça allait être. Donc maintenant, il faut juste que je jauge. Il faut que je commence par celle-là. Confringo. Que je fasse celle-là et celle-là. Ah, je vais pas me faire taper là et me faire buter là. Ok, ça va. Mais je suis bloqué. Ah, c'est bon. Ça, c'est chiant par contre quand ça bloque comme ça. Donc du coup, quête principale qui m'a l'air ma foi un peu loin. On va peut-être se bouger un peu le cul. En plus, il fait jour là. C'est les meilleurs plans quand il fait jour. On va peut-être se mettre un petit point sur la map. En vrai, c'est où? Ah ouais, c'est loin quoi. Bah du coup, on va prendre les flamichettes sur le passage. Voilà. On va en profiter pendant qu'on y est. On va prendre les petites flamichettes là. Celui-là, on l'a déjà clean. Ce camp, c'était l'un des premiers du coup au début du jeu. Ah, aussi, il faut que je récupère des animaux pour les vendre, pour avoir full thune. Mais je sais pas si la thune, on va en avoir encore besoin par derrière. Enfin, je pense que oui, certainement. Ah, je pensais que c'était un vendeur. Je m'allais dire, mais qu'est-ce qu'il fout là tout seul? Oh là là. Là, c'est beau là. Là, c'est beau comme ça. Là, c'est très très beau. C'est très très beau ici. Ouais, après, pour farm les animaux, j'ai trouvé un petit mob peut-être. Un petit mode qui pourrait être sympathique. Ça fera des hordes et des hordes de mobs. Ça impacte les spawns aléatoires des mobs. Pas ceux dans les camps, mais ceux qui spawnent aléatoirement sur la map. Donc du coup, pour farmer les compos, genre notamment pour les crapauds, pour les inferies... Les araignées aussi, pour les popos. Mais là, je commence à manquer de 2-3 compos, là, quand même. Parce que vu que là, je clean le jeu en même temps que je monte de level et que je fais les missions secondaires, et bah, les ennemis sont beaucoup plus puissants que quand j'avais terminé le jeu les deux premières fois. Du fait que bah, là, je suis quand même level 33. Les deux premières fois, j'ai dû terminer le jeu, je pense. Bah là, vous allez le voir dans la playlist Serpentard. Je crois que j'ai terminé le jeu, j'étais level 20. 4, hein, une connerie comme ça peut-être. Et dans la première, je crois que j'avais à peine atteint le level 30. Et du coup, côté Serpentard, j'avais trouvé ça relativement facile, même en mode difficile. Et là, vu qu'on fait tout en même temps, j'ai l'impression que les ennemis ont bien scale, hein. Il y a eu un bon scaling des ennemis, hein. Une épreuve de merde. Donc ça va en vrai. Et là, ça c'est quand même un petit peu compliqué quand même, tu vois. Moi, j'arrêtais pas de dire que le jeu il était simple. Il est simple, c'est vrai que pour ceux qui aiment bien jouer à de la difficulté max.
C'est pas le truc de fou, mais il est pas compliqué non plus, mais il a quand même sa part de difficulté. Bon, pendant qu'on est là, on va les goumer ceux-là. Tranquille. Ah, c'est ça que je voulais voir aussi. Côté serpentard, les... Je sais pas pourquoi j'ai du mal à m'habituer avec les sorts que j'ai mis là. Et avec deux ennemis? Ah non, il y en a encore là-haut. Venin 1. Donc ça, c'est pour les contacts là, vénéneuses. On va pour le fun, je vais les gommer aussi. Oh, ça fait plus de dégâts. Encore plus de dégâts. Confringo. On commence à taper mes sorts aussi. Hein. Genre notamment les serpents cendres, là j'en ai plus aussi. Hein. Serpents cendres, on en a plus beaucoup. Hein. Ça m'intrigue. Je sais pas si ça vous intéresserait. Vous. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode où je vous montrerai ce que je fais quand je farm. Genre juste un épisode comme ça, mais je sais pas si c'est intéressant. Bon, j'en ai un là. Confringo. Et il y a beaucoup d'ennemis là. C'est réglé. Donc là, c'est ma barre de sort. 3, 2. Oh ! Mais comment ça, mon ref ? Je suis censé te buter là, instant, en fait, sans... Oh, c'est des araignées. J'en ai trop besoin, des araignées. Oh là là, les dégâts que ça fait. Oh, tous les ennemis. Pourtant, le mode, je l'ai pas encore installé, hein. C'est bizarre que j'en ai autant, là. Ah bon, ça se trouve, je l'ai installé sans faire exprès. Ah, on s'est vu. Donc là, je sais pas, maintenant tu vois, et vous souvenez dans l'épisode précédent, je me plaignais que le changement de barre avec la molette se buguait, et là, bah du coup, vous voyez que c'est plus fluide, mes combats sont meilleurs là déjà. Je sais pas pourquoi, les barres des sorts switch bien facilement là maintenant. Pourtant, j'ai rien changé, hein. J'ai pas enlevé de mode, j'ai rien changé. C'est possible ? Une épreuve de Merlin ? En vrai, là, une épreuve de Merlin doit être pas mal, non ? On doit être pas mal avancé, je pense. Il y a un troll, faut que je fasse quoi? Ah ok, il faut que je grimpire sur tout ça. Il faut grimpir. Sans tomber sinon ça risque à tout. Ok, j'ai cru vraiment que j'allais tomber. Oh, j'ai bien kiffé le petit plongeon de fin là. Tiens d'ailleurs, voilà, j'étais en train de... What? J'étais en train de penser à mon balai, j'ai peut-être enlevé les modes de balai. Que ça a fait de la charge pour rien et... Est-ce qu'on le fume lui? Ah, j'ai pas eu le temps de... Stupéfix. Incendio. Stupéfix. Action. Expelliarmus. Confringo. Antoloris. Confringo. Contego. Stupéfix. Lassius. Incendio. Parce que je suis qu'à 5 sur 15. Ah ouais. Par contre, les crottes de nez de troll, je sais pas à quoi ça sert. Action. Oh les dégâts que ça fait ça. Je disais qu'on allait juste aller à la quête principale sans forcément se battre, je me contredis H24. Hein. C'est un délire comment je me contredis H24. Ah ouais, c'est sur moi que tu tapes là. Eh hey, ciao.
Château de Rockwood. Et là, notre petit professeur Fig. Ouais, bah je peux te parler, Coco. Je peux pas interagir avec toi. Ah, parce que je suis détecté en combat, là, encore. Ah non, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Le professeur Rockwood avait raison. Les hommes de Victor Rockwood et les fidèles de Ranrock sont déjà là. Ils forment une alliance, c'est certain, mais pas des plus amicales. J'imagine que tout le monde est d'accord pour passer par un autre chemin. Allons-y. Dans le tas, papy, dans le tas. Qu'est-ce que tu me parles d'autre chemin? Juste, on va dans le tas. Il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas de... Rien. Hop, hop, et hop. Oh là là, 2000 et quelques. Ah putain, on a oublié un truc. Le stuff. Ah, ça va. 15 sur 36, ça va. En vrai, c'est... Non, c'est bon, j'ai rien dit. Tiens, bah tiens, pendant que je suis là. Vous voyez, en termes de compo là, de ressources, j'en ai pas mal. Oh, j'en ai déjà 129 des plumes de Joe Barbie là. Faut que j'arrête de farmer les animaux dans le vivarium. Donc en vrai, les Joe Barbie, je pourrais les retirer à terme. Et remplacer ça par une autre race. Parce que là, on en a 129, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et là, ce que je vais amener à manquer, vous voyez, bah là déjà, regarde, les odeurs de la mort se désinfèrent, on n'en a pas beaucoup. Les langues de fangeux, on n'en a plus beaucoup. Là, en termes pour crafter les popos, ça devient compliqué. Regarde, même les œufs de serpent sang de 34, et notamment, ils servent pour les popos de Maxima, je crois, un truc comme ça. Ouais, Gryffindo, Gryffindo, faut que je m'en serve autrement. Ouf, le petit moins 5000 parce que je l'ai fait péter dans le feu de camp là, il fait plaisir. Hein. Il y a un coffre mais il est dedans. Ouais c'est ça, il est dedans. Tu vas regretter d'avoir... Comment ça je vais regretter, j'ai rien regretté du tout. Il va m'attaquer instant l'autre de là-haut, non? Ou c'est celui d'en bas qui va m'attaquer instant? Ouais, je gère mieux là les... Action. Wingardium Leviosa. Je gère beaucoup mieux mes sorts là, du moment que, vu que là c'est fluide pour switcher, c'est beaucoup mieux. Si j'avais su que tu avais prévu de creuser... Je n'aurais pas besoin de creuser si tu avais tout simplement réussi à m'amener l'enfant. On n'aurait pas eu besoin de l'enfant si tu n'avais pas envoyé un dragon récupérer un réceptacle qui m'a coûté des mois de travail et d'innombrables faveurs du ministère. Tu les as laissés monter dans la diligence. Mes options étaient limitées quand j'ai appris qu'ils seraient bientôt dans cette maudite école où je ne pourrais plus l'atteindre. Tu n'as pas acquis suffisamment de pouvoir ici. Je t'ai laissé creuser sous la demeure de ma famille. Laissé creuser? Tu n'es ici que parce que tu es le descendant d'un gardien et que tu pourrais éventuellement t'avérer utile. On avait conclu un accord. Je partagerai avec toi le pouvoir que j'ai découvert si tu parviens à trouver les dépôts de magie qu'il reste encore. Alors, à moins que tu ne tiennes à voir une autre démonstration de mon pouvoir, un pouvoir que tu espères avoir un jour, amène-moi l'enfant. Hey Victor Rockwood, qui est dans la sauce? Il est dans la sauce. Nous savions déjà qu'ils vous recherchaient, mais nous savons à présent qu'ils veulent trouver des dépôts de magie. Et Ranrock est au courant pour les gardiens? Oui, j'ai aussi entendu cela. Le professeur Rockwood a dit que vous comprendriez plus de choses à l'issue de la prochaine épreuve. Allez, let's go, on y Allez, va. Entrons dans ce château. On y va, mon gars. Laisse-moi me bagarre avec tout le monde là. Alors, ah bah vous savez déjà que je suis là quoi. Oh, faut que je teste un truc sur toi. J'ai vu ça sur le TikTok. Oh, ta maman. Allez. Ah ouais, ça marche vraiment. Sauf que là, ça l'a pas moins de choses. What, level 35? Ah ouais, j'avais pas vu ça. Je ne m'arrête
Fifindo. Les salons. Les Fioso. Je t'embarque toujours ici. Expelliarmus. Fifindo. Un resto dans mes socles. Confringo. Merde, pas. Ah bah si, Confringo, c'est bon. Depuis tout à l'heure, t'es dans le vide, toi, avec mon Levioso, là. Putain. Je pensais pas. Désarmement, ok. Ok, ok. Ah, pendant qu'on est là, du coup, on va... Putain, il y a le logo d'un ennemi nommé, ici. Ok, potion Wingowell, on est à fond. Il est où le coffre ? Ah putain, je l'avais même pas vu. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Liaison 3, j'ai pas la ref, je vois pas à quoi ça correspond. On a tout fouillé de ce qu'il y avait en exté là. Ah non, eh non. Eh non mon pote, il y a un coffre là derrière. Il y a un coffre ici. Ah non, dedans même. Quoi? Mais je l'ai pas vu. Je suis biglé aujourd'hui je crois. Bon bah c'est du vieux, c'est pas grave, c'est d'études. Tiens, en parlant d'équipement, c'est dommage qu'on ait pas une option pour Dez. L'équipement que ça nous donne, genre, je sais pas, moi, du tissu, du cuir, du... j'en sais rien. Un truc pour qu'on puisse derrière recraft nous-mêmes des équipements, tu vois, ça aurait été bien qu'ils mettent... Réveillio. Pardon, qu'ils mettent ça, tu vois, ça aurait pu être pas mal. Oh la merde, hein. Mais bon, donc c'est pas un vrai RPG, ce jeu, y a pas besoin. Ah, aujourd'hui j'ai mal à la mâchoire. J'imagine que c'est le moyen le plus rapide de descendre. Rebellion. C'est quoi? Ah, j'allais dire putain c'est quoi dans le noir comme ça mais... Allez, let's go. Ah. Ah. Allez. Putain les gobelins ils sont déjà là. Des traces de gobelins. Ils ont un peu d'avance sur nous. Voyons où elles nous mènent. Un peu, ils ont déjà récupéré la trace de magie ancienne, quoi. C'est sûrement ça. La réserve de magie à l'origine de la puissance de Ranrok. Il a l'air vide. S'ils ont tout pris, pourquoi sont-ils encore là? Ranrok a dit qu'il y en avait plus à récupérer. S'il a raison, elles peuvent se trouver ici ou ailleurs. Où okay. Qu'elles soient, nous devons les trouver avant eux. Où est-ce que ça serait ? 4 galions là seulement, pas. J'ai entendu du bruit. J'espérais que ce soit vous. Bah ouais, t'as bien espéré. Professeur Rockwood, les gobelins et les mages noirs qui ont pris votre château cherchent des dépôts de magie. Et ils ont ouvert une sorte de réceptacle. Non, ce n'est pas vrai. C'est bien pire que ce que j'imaginais. Si. Comme vous l'avez dit à Percival, un gobelin maniait une puissante magie dans son caveau. Alors cela signifie que... C'est impossible. Et monsieur, ils savent que vous êtes un gardien. Ranrok a employé ce terme. Ça n'a aucun sens. Comment ? Nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, vous devez réussir la prochaine épreuve. Je voudrais d'abord en savoir monsieur, plus. Monsieur, je pense avoir fait mes preuves. Au vu de ce qui s'est passé, vous devriez peut-être tout me dire. Croyez-moi, avant de l'utiliser, vous devez d'abord essayer de comprendre ce pouvoir que vous convoitez. C'est le but ultime de ces épreuves. Pour y parvenir, il vous faudra récupérer tous les artefacts que nous avons mis en place. Il suffira de nous montrer plus malin que Ranrok, ainsi que mon homonyme. Très bien, professeur. Dites-moi où aller. Je vous révélerai la voie, mais le professeur Fig doit partir. Allez, casse-toi, le vieux. Elle était un peu visible la voix quoi. Je me joindrai à vous si je le peux. Putain, il fait nuit, il fait vraiment, il fait noir là. Merde. Il fait sombre. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Non, normalement après il va faire plus clair. Bah voilà. Oh lolo, ça me pète les yeux tellement c'est beau à chaque fois ici. C'est. Moi c'est surtout le détail du sol avec les reflets et tout de lumière. Ma main. C'est quelque chose, hein. Il y a un vrai taf de fourni là-dessus. Hein.
C'est quelque chose quand même. Hein. Ouais. C'est quand même quelque chose. Hein. Sens là, ouais, c'est bon. Je vais pas trop parler, mais je vais toujours rester bouche bée face à la qualité qu'ils ont foutu dans le jeu, quoi. Incroyablement joli. Hein. Bon, ok, là, faut juste marcher. Il y a ça là, bah, juste note ça, ah, ok. Qui nous amène, il doit y avoir, ouais, voilà, il y a des coffres, enfin un coffre. Ok, c'était juste pour une potion Wingleweald. Là, notamment, il y a, bon, il y a un truc qui va me faire grimpir. Rebellion. Il y a rien, il y a rien. Ça, ça va me permettre de monter là. Je peux le poser en bas, non? Ouais, sûr. Donc là, ça m'a ouvert la porte. Ah, pas du bon sens. Oh. Ah, là, il y a ça. Et ça, il va me servir à quoi? Ah, c'est un coffre. Ok. Et là, il s'est transformé en ça. Attends, il faut que je repasse, Coco. Ah non, dans l'autre sens, du coup. Faut que j'aille guetter là-haut, là. Ok, je pensais que je pouvais pas sauter, mais si. Pour un coffre, il va me dire que j'ai plus de place. Ça doit être des popos Wingleweald encore. Ah non, 59 galions. Let's go, on a ouvert la voie et voici mon épreuve. Allez, viens de tatane, toi! Du coup, on va jouer avec cette barre-là. Et on va pouvoir les désarmer. Salut! Expelliarmus! Antonoris! Hein? Arreste Nomethum! Flipendo! Expelliarmus! Oh, ça c'était un... Antonoris. Confindo. Senjo. Tassus. Difindo. Non, c'était pas mon épreuve, ça. Il était trop faible. C'est pas eux l'épreuve, c'est le boss de fin, là, le gros, je suis con. C'était la petite épreuve. Alors ici, j'ai un souvenir vague de ce qu'il faut faire. Là, il y a ça. Là, il y a ça. Donc là, hop. Qui m'amène ça et ça. Je crois que je dois aller à gauche ici. Mais là, du coup, je passe là. Ça me fait ça. Ah, c'était pas la bonne barre de sort. Hop. Du coup, je fais passer par là. Là, qu'est-ce que je peux faire ici? Ah oui, ça y est, ça me revient. Là, je fais ça. Parfait, ça m'a ouvert la voie pour aller là-bas. Ça y est, ça m'est revenu. Vous êtes gentil, vous? Vous allez m'attaquer? Ah bah non, vous allez m'attaquer, quoi. Oh! Je voulais l'agresser. Direct. Parce que ça, ça a vraiment un impact sur eux. Ah ouais.
Stupendo a vraiment un impact. Ah bah non. Ok. Hein? Oh putain! Il y en a un invisible là. Voilà. Ah bah je l'ai fait passer dans le portail, parfait. Pas mal le petit enchaînement. Bon, j'ai pas besoin de me soigner. Bon, il y a ça. Il y a ça. Du coup, ça, ça tourne. Et je suppose que voilà, si je passe là-dedans, c'est comme ça. Bah, du coup, il est débile ce truc-là, juste reste comme. Ah, bah non, mais. Attends. Attends, mon cerveau là. Attends, mais je peux juste. Non. Il y a un pilier ici. Bah ouais, j'ai aucun rebord auquel accrocher. J'ai capté. Descendo. Action. Faut que je le fasse passer dedans, c'est ça? Comme ça. Et que je le repose. C'est ça? Ouais, c'était ça. Parfait. Let's go! Pas de coffre, on avance. Confringo. Revelio. Ouais, Barbaya. Allez, active-toi. Expelliarmus. Montoloris. Flipendo. Expelliarmus. Ah, ça dégomme les sorts là. Alors, il y a ça là. C'était juste pour ça? Apparemment. Donc faut que je continue ma route. Faut juste que je continue ma route quoi. Ok, let's go. Ah c'est la fin parce que dès qu'il y a ce double escalier là derrière il y a le boss. Tout le temps. Tout le temps. Voilà, il nous donne notre coffre de récompense. Soit il y a la pancine, soit il y a le boss. Et il y a le boss du coup. Allez, viens là, je vais te goumer. Je vais te goumer. Mais vous êtes invisible, bande de bâtards! Ah, c'était pas de ce côté-là qu'il fallait passer. Laissez-moi passer. Aïe! Confringo! Spelliarmus! Montoloris! Flipendo! Kifindo! Confringo! Descendo! Incendio! Non, reviens, repasse. Parfait. J'étais à goût, mais. Ah, ouais, bah maintenant il y a le gros quoi. Oh, Doloris. J'aime pas s'il prend Doloris. Ah non, il a pas l'air.
Hop. On gaspille toute la magie là. J'ai pas esquivé, j'ai pas... Merde, je suis con. Et j'adore les combats contre ces gens-là. Allez. Stylé le dernier petit coup qu'on a mis. Hein. Bra! Expelliarmus! Level 33. Apparemment, il n'y a que 40 level max. Je sais pas, j'en suis pas trop renseigné, mais d'après ce que j'ai pu voir sur TikTok, c'est 40 le level max. Let's go, la pancine. La petite pancine qui nous met bien. Attends, je vais juste récupérer le coffre comme d'hab. Du verre tout moche là. Let's go! J'ai hâte d'entendre Isidora nous conter ses voyages. Entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Isidora, nous sommes tous curieux de savoir. Nous sommes prêts. J'ai quelque chose à vous montrer. Père. Voici mes collègues de Poudlard. Mon père ne parle plus depuis que mon frère est mort. Lors de mes voyages, j'ai pu confirmer ce que je savais depuis longtemps. Nous avons le pouvoir d'arrêter toutes sortes de souffrances. Qu'avez-vous fait? Il ne souffre plus. Cette forme de magie est inconnue, Isidora.
Nous ne voyons que ce qui a été enfermé dans le pot, et nous ignorons quel pouvoir il détient. Mais les traces de cette magie ne ressemblent à rien de ce que je connais. Merci. Let's go. Ça sent le roussi tout ça. La salle de la carte. Let's go. Vous êtes de retour. Affirmatif, chef. Ah, formidable. Vous revoilà. Et en un seul morceau, qui plus est. Ah. Pas pris pour qui, gamin? C'est bon de vous revoir. Le professeur Rockwood m'a raconté ce qui s'est passé au château de Rockwood. À la lumière des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons actuellement, il est fort bienvenu qu'une personne aussi compétente suive ce chemin. Merci, professeur. Je garderai ce deuxième artefact en sécurité, comme vous me l'avez conseillé. Bien. Voulez-vous continuer ? Ah bah bien sûr, mais je vais poser des questions. C'était quoi ce fil incandescent qu'Isidora a retiré de la poitrine de son père ? C'était de la douleur. Vous comprendrez mieux ces actes quand vous réussirez les épreuves. Bon, allez, let's go, je suis prêt, enchaîne. Je suis prêt à faire face à ce qui m'attend. Dans ce cas, les présentations s'imposent. Permettez-moi de vous présenter l'ancienne directrice de Poudlard, Niamh Fitzgerald. Comment allez-vous ? Je dois dire que je n'ai pas été entièrement surprise d'apprendre qu'un élève avait réussi les épreuves. J'ai toujours pensé que rien n'était impossible pour les élèves de Poudlard s'ils sont motivés. Merci, professeur. Je suis ravie de vous rencontrer. Je ne doute pas que vous soyez parfaitement capable de réussir mon épreuve. Cependant, il serait compliqué d'accéder à son emplacement pour le moment. Nous avons confiance en votre jugement, professeur Fitzgerald. Vous savez mieux que quiconque comment gérer les inconvénients de... Eh bien... Un directeur exaspérant et orgueilleux ? Effectivement. Je vous dirai immédiatement si tout est en ordre. Elle n'a pas l'air de kiffer le dirlo, elle aussi. Le professeur Fitzgerald a besoin d'un peu de temps pour décider de la marche à suivre. En attendant, vous devriez continuer à perfectionner votre magie. Et si vous en apprenez davantage sur les activités de Ranrock et de Victor Rockwood, n'hésitez pas à nous en faire part. Très bien, professeur. Let's go. Ah, faut que je parle au professeur Fig. Je sais, je sais. Je dois continuer à me perfectionner. Vous apprenez vite. Avec un peu de chance, vous saurez bientôt comment Lodgok s'en est sorti avec le home récupéré par vos soins. Vous avez fait du bon travail, comme d'habitude. Au revoir. Au revoir. Let's go. Ah, pourquoi j'ai un chargement? Ah bah oui, parce qu'on a changé de saison, on est en hiver. C'est beau l'hiver quand on se balade et qu'il fait jour. Et j'adore. J'adore des fous. Tiens d'ailleurs. Ça, ça s'affiche, bien sûr que ça s'affiche. C'est où les succès? C'est là. Il nous reste quoi comme succès à faire? Terminer toutes les quêtes Athénex, compléter toutes les collections, faire reproduire toutes les races de créatures, dépenser tous les points de talent, atteindre le point culminant du château, l'étage du bureau du directeur, utiliser Flipendo 10 fois pour vous retourner une ou plusieurs, pour retourner une ou plusieurs vaches. Ah ouais? Débloquer toutes les flamichettes. Nati m'a parlé de ton altercation avec les braconniers. J'ai aussi des nouvelles d'eux. Peux-tu venir me voir? Je crains que ce que j'ai découvert ait un lien avec toi. Ok. Vaincre tous les ennemis dans toutes les arènes de combat, réussir toutes les épreuves de Merlin, ça va se faire. Découvrir tous les cairns. Ok. Trouver toutes les statues de Migiz, ça va se faire. Vaincre un total de 50 ennemis à l'aide de Petrificus Totalus. Ok, faut le savoir. Utiliser de la magie ancienne sur chaque ennemi dans le jeu. Ouais, ça va se faire, je pense. Atteindre le niveau 40. Et 6 succès cachés restants. Ok.
sortilège d'explosion. Oh, Bombarda! On va aller faire Bombarda, je pense, tout de suite. Je pense qu'on va aller faire Bombarda tout de suite. Oh merde, c'est vrai que pour sortir, c'est en haut. J'arriverai jamais à m'y faire qu'il faut monter pour descendre. Dans la salle commune. Ah, ça y est, je sais pourquoi les escaliers là-bas, ils sont keblo. Je me suis renseigné, est-ce que ça m'a un peu gonflé. C'est juste que c'est le côté des filles, donc je pourrais pas y aller. C'est juste que là, c'est le dortoir des gonzesses. Je ne peux pas monter. Juste pour ça, c'est tout. Apparemment, ce n'est que ça. Donc, les petites cartes. Oh, je vais aller dans les quêtes. Et bah voilà, les petites quêtes qui se débloquent. Parler à Chic dans la salle sur demande. Ok, il va me demander des trucs. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre Bombarda. Il en est à combien de temps? 50 minutes de record, je pense que... Et il a retrouvé Poppy aussi. Poppy là avec les bracos. J'ai pas été au bout de sa quête à elle. Mais déjà, j'ai envie d'apprendre Bombarda. Comme ça, on a tous les spells du jeu. Et on se pète le dos pour sortir de chez Gryffondor, bordel. Alors, Bombarda... C'est où? C'est... Ouais, faut y aller. J'aime pas quand ça reste bloqué avec la popo dans la main, là, comme ça. Je sais pas pourquoi. Ce crapaud-là, il nous mène là-bas, au-dessus. Je me souviens, mais j'ai déjà pris ce qu'il y avait là-bas. Là-dedans, on l'a déjà pris. Et en plus, ça s'ouvre. Où c'est où, Esgeg? J'ai pas le temps. Là, on a déjà ouvert. Il y a quoi ici? Il y a ça. Allô, Mora. Je l'ai vu le tout petit cadenas là. Voilà, pour du vieux verre tout pérave là. Ok, allez, on continue. Continue le trajet. Ah là, il y a de la neige partout, ça va être plaisant de se balader. Hop. M'a dit par là. Petit coup de Revelio. On voit pas de orange. On court. Tiens, on a les points de talent aussi à mettre, non? Ça fait un moment qu'on en a pas mis, je crois. J'en ai 3 à mettre. Déjà, il faut que j'en garde 1, 2, 3 pour la magie noire. Donc, il me reste 3 levels, donc déjà ça... Je le mets, il va me rester ces deux là. Si je fais bien le calcul. Ah non, c'est 2. Je crois que c'est jusqu'au level 35 que tu peux avoir que des points de talent. Merde, c'est jusqu'au level 35 qu'on peut avoir des points de talent. Qu'est-ce qu'on a dans le cœur là? Normalement dans le cœur je veux plus rien mettre. Les Farotego, ça recharge la magie. Les ennemis touchés par stupéfix étourdis plus longtemps, on s'en fout. Votre jauge de magie ancienne se remplit lorsque vous esquivez une attaque imparable ou esquivez. La jauge de magie ancienne se remplit davantage lorsque vous touchez des ennemis dans les airs avec des lancers de base. Et ça, c'est les parades protégo réussites remplissent la jauge de magie ancienne. Les parades protégo parfaites la remplissent encore plus. Je pense qu'on s'en tape. Hein. Ça va jouer entre ces deux-là dans les sorts. Là, on a Glacius. J'aimerais bien. Non, il y a Bombarda déjà en first. Et Glacius. Je sais pas. Ça... Si Glacius, là, il aurait fait. Un truc où, au lieu de faire une explo, il va geler les ennemis à côté, ça aurait été bien. Mais là, du coup, j'en suis moins fan. Et dans la salle sur demande, j'aurais bien voulu mettre ça, là. Quand j'en jette un, ça en met deux. J'aurais bien voulu, hein. Et tentacule à vénéneuse aussi, j'aurais bien voulu mettre un point là-dedans pour que ça fasse un peu plus de dégâts. Mais après, je m'en sers pas plus que ça. Mais ouais, donc là notamment, il faut que je garde 1-2 points. Donc on va toujours garder une réserve de 2 points pour cela. Parce que d'après ce qu'on m'aurait dit, ça va jusqu'au level... C'est jusqu'à 35 points maximum qu'on peut attribuer. Alors je comprends pas pourquoi ça va pas jusqu'à 40. Un peu débile. Et du coup, il faut que je vérifie pour moi-même et faire attention. Parce qu'on n'a pas de moyen de reset les talents. Enfin si, il vient un mode où du coup, ton vendeur, il... Le vendeur de Popo. T'as un plan à prendre là-bas. Une fois que t'as installé le mode, c'est une potion de reset de talent.
Et vu que c'est pas incorporé au jeu, j'ai pas vraiment forcément envie de m'en servir. J'ai déjà pas mal de modes, enfin pas mal de modes. J'en ai un qui augmente le nombre de popos que tu peux stocker sur toi. Il y en a un qui change les apparences de certains balais. Il y en a un autre qui... Bonjour, je Grace. Sais plus. Qu'est-ce que tu fais ici? Ravi de te revoir. Au fait, encore merci pour ton aide au lac. Ah je oui, c'est toi. Je suis plutôt doué au plateau d'attraction. Et j'attends mon prochain adversaire. On va faire ça aussi, c'était sur le passage. C'est toi. C'est possible. Alors, on peut commencer? Let's go. C'est parti. Bien, voyons voir ce que tu vaux. Comment il marche ce plateau? Si je le touche, c'est à 100 points, c'est ça? Action. Ah non, il faut monter, d'accord. Oh, j'ai envie de tenter le 50 ici. Tu n'as rien vu. Ah non, on va le tenter là, le 50. Allez, Hugues, 10 points. Action. C'est 100. Remarquable. Attends, quand tu t'arrêtes dessus, c'est 100 points. What the fuck? Oh non, la connasse. Non. Mais la connasse. Mais j'ai envie de la tuer. Top. Putain de merde. J'avais tellement bien joué mon coup. On va faire 100. Non, c'est bon. Donc je suis obligé de jouer un 100 ou un 50 là. Sinon on fait une égalité. Action. Parfait, 100. Allez, chais. Impressionnant. Eh bien, je crois que je suis battu. Bien sûr. Trop simple. Putain, j'aurais pu faire plus que 2 points que ça, mais... Bravo. La plongée, le plateau d'attraction, tu as vraiment du talent pour tout. Tu as très bien joué, Grace. J'ai plutôt bien joué, pas vrai? Seule une élève a réussi à me battre. Elle est très douée, mais si tu t'y prends comme tu l'as fait avec moi, tu as peut-être tes chances. Allez, amène-moi le prochain, là. J'ai pas le temps pour de perdre avec des gens comme ça. Oh, 18 sur 18, les quêtes annexes. 18 sur 18, les quêtes annexes. On est bien. Par contre, si je dois misclick des popos, je préfère les misclick sur les popos d'un vie. Attends, mais ici, on a tout pris. Ouais, on a tout pris. Oh là, t'es citrouille. Mais attends, c'était pas par là que je devais apprendre le truc bombarda? Moi, je crois que c'était ça, c'était là. Hein. Si, si, c'était bien ça. Allez, si, si, c'était là. J'aurais fait un pas de plus, quoi, j'aurais eu la cinématique. Je les ai pas vus ces bestioles encore. Très bon travail. Retrouve-moi dans la crypte. Je fais une découverte. Allez. Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins, n'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. Oh, t'inquiète pas quoi. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Allez-y. Bombarda. Un mouvement régulier avec la baguette. N'oubliez pas, le sortilège d'explosion. Imagine là, je foire, je perds une main pour, pendant le reste du jeu. Ma parole, je l'aurais fait. Tu perds ta main là, vu que tu foires le apprentissage de la. Je l'aurais fait juste pour perdre une main. Passons à la pratique. Bombarda. Eh, hey, Bombarda, il va aller où? Il va aller là, du coup, Bombarda. Bien sûr qu'il va là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah non, il y en a 5 des sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Par contre, à terme, quand j'aurai tous les 3 sorts là, c'est laquelle
que je vais enlever. De rouge, je pense avec Expelliarmus, hein. Ou Gryffindo, non, Diffindo. Parce qu'il y a Diffindo et Gryffindo. Confringo. En vrai, je pense que c'est ouais, mais non, je suis obligé de la garder, ça. Ah, je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Allez-y, faites un essai sur les citrouilles. Bombarda. Et là, du coup, Bombarda va se prendre directement son petit Puntos de talent. Que j'avais dit quand j'avais bien compté. Voilà, Bombarda, il prend son petit Puntos. Voilà, parce que là... Parfait. En plus, il fait un autre bruit. Oh, j'adore. J'adore le bruit qu'il fait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est à 1 heure. On peut encore durer 20 minutes, je pense. Oh, en termes de quête... Ouais, on a Sébastien qu'on va peut-être faire... dans l'épisode prochain. Ou sinon, on ira faire Poply. Comme ça, on aura fait 2 épisodes avec 2 quêtes principales. Et après, on ira faire des quêtes secondaires. Par contre, j'aimerais bien retourner dans la salle. Oh, on va aller à la salle sur demande. Je sais pas ce qu'il me veut. Je sais pas ce qu'il me veut, là. Je sais pas du tout ce qu'il me veut. Là, ça me dit rien. Je pense que ça va être total explo, là. Parce que je vois pas du tout ce qu'il pourrait me vouloir, le chic. Merci de venir parler à chic. Ouais, j'y arrive. Bonjour, Chick. Tu voulais me parler? Oui. Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever... Ça, j'ai pas la ref. Je l'ai pas fait encore. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire? Commencez par amener 2 créatures dans la salle. Un mâle et une femelle. C'est déjà fait. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. Bon bah vu que je dois sortir, de base je voulais retourner là, récupérer 2 sombrales. Ah bah peut-être que ça... Bah du coup on va peut-être aller dire... Et du coup bah il dit qu'il y en a à côté. Donc déjà on va au Préolard parce qu'il veut que j'achète... quelque chose, le créasor, j'espère que j'ai assez. Ouais, je crois que j'ai 10 000 et le créasor il doit coûter quoi, 3 000 je pense. J'espère pas plus. Et le mec du balai là, c'est quand qu'il me contacte aussi? C'est bien beau mais j'aimerais bien voir un balai. Attends, on va aller voir. Poussez-vous! Ouais, il a pas de... C'est un plaisir de vous revoir. Ouais, t'as rien à me proposer à Skip. Ah merde, fais chier. Regardons alors. Un peu ce que nous avons. Créasor enclos de reproduction. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Je devrais retourner voir Chick. Et les... Je retourne voir Chick du coup. Ça c'est le genre de TP que je ferais tout le temps, aller à la salle sur demande et salle de la carte, parce que vu qu'il y en a un qui est carrément au rez-de-chaussée, il y en a un qui est sur le toit de Poudlard, relou quoi d'y aller à pied. Un peu relou non, je dirais d'y aller à pied. Hein. Chick, j'ai tout. Ouais. J'ai tout ce qu'il faut, les sombrales. Je dois savoir comment changer. Non, j'ai sauvé les sombrales et après, ouais. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos? Bah, il est con, quoi. Oh! Jure, un troisième! Eh bah ça, je savais pas. Je sens que l'endroit va être approprié pour les sombrales. Je vais aller les retirer du côté droit. Pour les foutre dans celui-là. Incroyable. Chick ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Nous disposons maintenant d'un lieu idéal pour ces sombrales.
Attends. Les chics, une fois qu'ils se seront reproduits. Ah, on peut passer de là à là. Mais attends. Si on part du principe qu'il y a quatre angles. Il y aura quatre côtés peut-être. Putain, on va pouvoir faire un vivarium de baisers. Attends, est-ce que j'ai des sombrales sur moi? Ouais, j'ai rien, faut que je les récupère. Tu sais quoi, je vais tous les retirer, les sombrales qu'il y a là. Ici, je sais pas trop quel animal je vais mettre encore, mais s'il y a des thèmes à chaque fois... Alors, déplacer l'inventaire. Hop. Bah, vous savez quoi, pendant que je suis ici... Ah! Sorry! Je l'ai tué? Oh putain. Attends, mais pourquoi toi je t'ai pas ramené dans le... Ouais, viens là. J'ai cru que je l'avais cané. En vrai, je sais pas trop quelle créature je vais mettre ici. Elle Céleste! Ça va? Bon, venez graille aussi pendant que... Pendant que je suis là, allez graille là. Sinon je vais le faire moi-même, sinon ça va être trop long pendant que j'y suis. On va le faire soi-même. Comme ça, il me donne directement leurs ressources. Qui n'a pas mangé, toi? Pourquoi elle Céleste, t'as pas la dalle? Tiens, mange ma biche. Ah bah t'es déjà en train de manger. Ok. Allez, on peut se barrer. Du coup, pour invoquer l'enclos, je vais devoir mettre ça. Je sais pas si un jour je m'amuserai vraiment à déclorer tous les vivariums. J'ai vu des dingueries dans les vivariums des gens. Attends, mais aussi, vu qu'on est là, est-ce que... C'est quoi? C'est celui-là déjà, c'est ça? Ah bien sûr, ouais. Oh! Le gothique là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça va changer un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut modifier d'autre ça? Ok, les fenêtres aussi. Mais tourne-toi, Coco! Pourquoi tu... C'est chiant que ça reste pas en face. Ouais, non, le gothique, il va pas avec. Est-ce que je mettrais pas un gothique au milieu, quand même? Histoire de varier un peu. Ou un botanique peut-être, non? C'est lequel qui va le mieux? Bah, je sais pas lequel va le mieux là du coup. Si je mets ça, ça va être les trois pareils. Oh, on va mettre le gothique. Au milieu, il va bien. Au milieu, il va très bien le gothique. Et puis là, on fout un électrique. Parfait, ça fait beau gosse. Maintenant, il y a lui aussi. Putain, mais vas-y, c'est mal foutu. Voilà. Ça et ce mur-là. Ah, il était déjà en... Ah merde, ok. Parfait. Putain, là aussi, il va falloir que je change tout. Non, toi, c'était bon. Et à toi. Oh, mais regarde, je vais me faire regarder, gros. Mais c'est hallucinant. Il n'y a rien d'autre, ça. Ah, mais ça aussi, du coup. En noir. Et puis voilà. Let's go. Par l'ambiance. Ah, mais c'est parfait pour des sombrales ici, hein. Oh, stylé.
Revelio. C'est l'ambiance parfaite pour les sombrales ici. Hein. Marécageux et... Ah mais pour les grenouilles aussi. Attends. J'ai des grenouilles aussi. Faut que j'aille les chercher. J'ai des grenouilles, faut que j'aille les chercher. What? J'ai des grenouilles je crois ici. Ici on va mettre toutes les petites créatures bien mignonnes et tout. Voilà, je savais. Je savais que j'en avais. Là, là, je ne te ferai pas de mal. Bah tiens, pendant qu'on est là aussi, allez hop. Hein. Tant qu'à faire. Vous êtes tous en train de bouffer là déjà? Non! Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. On va donner à bouffer. Attends, viens là le pierre, faut que je te caresse. Viens, prends à manger. Tiens, viens là, viens là, viens là. Parfait. Toi, prends à manger parce que je sens que tu vas pas aller jusqu'à là-bas. Le 4 là, pareil. Prends un becté. Oups. Oh shit! Maltraitance. Bon, apparemment. C'est bon, on a tout récupéré. Ah putain, faut que j'en relâche un. Allez. Let's go. Par contre, c'est ça, on a dit les Joe Barbie, il faut que je les tège. Et que je leur. Enfin, quoique, je peux les laisser, mais les Joe Barbie, j'ai trop de plumes déjà. Bon. Pour commencer, hop. Ne partez pas trop en couille, il faut que je vous caresse tous là. Ça va être les animaux parfaits pour ici. Allô, la troisième grenouille. Là. C'est bon. Allez, toi tu manges. Voilà, restez bien en ordre. Là, ils sont bien calmes, hein, là, les animaux. D'habitude, j'ai un poil plus de mal à les gérer. Pousse-toi, il y a ta copine là. Tout le monde l'a mangé. Ben voilà, on est bien. Alors, explorons un minimum ici. Ça a l'air d'être vachement grand. Moi, j'arrive pas à taper ça. J'ai vu que je pouvais aller par là. Il y a ça. Oh putain, je peux aller par là aussi. C'est grand, hein. Oh, je peux monter. Waouh, mais ça a l'air tellement grand. T'aimes comment les trucs jaunes, ils ont l'air loin. Oh, c'est Bresson ici, hein. Oh, carrément, il y a une toile d'araignée. Merde. On voit rien. Incroyable. Ah, un coffre. Angle de sol moyen, ok. Y'a plus rien? Lumos. Non. Donc du coup, il y a trois coffres, je crois, par vivarium. Je sais même pas si je les ai tous récup. Dans le premier, oui, sûr. Dans le deuxième, je sais pas si j'ai tout récup. Là, vu que je me rends compte comment ils sont grands. Ah, heureusement, faut pas chercher les animaux partout à chaque fois. Là il y a là-haut, il y a ici, il y a derrière. En vrai t'as même plus besoin de te balader en extérieur limite. Hein. Avec tout ce qu'il y a à farmer dans tous les vivariums en espérant qu'il y en ait un de plus ou deux de plus encore. Pas un deux du coup pour chaque angle. Là-bas il y a tous mes animaux. Donc là skip je peux monter. Ok. Putain, je crois que je peux aller encore par là-bas aussi. Et il y a un coffre là-bas. Stylé. L'arbre mort et tout là. Huch. Qu'est-ce qu'on va gagner là? Mur bas. Ouais, ça c'est ce qui va nous permettre de faire de la déco. Mais après moi je suis pas très bon pour ce genre de conneries. Vraiment, moi je suis pas très très bon.
Après, si je fais ça, ça va me prendre grave longtemps, parce que moi, vraiment, je suis pas ouf pour ce genre de truc. Hein. Ah, je peux pas monter. Donc là, du coup, on est... Ok, donc du coup, là, il faut que je leur construise 2-3 petites conneries à eux, déjà. Je vais leur mettre les trucs basiques. Donc du coup, l'entrée, elle est là. Je sais que je vais pouvoir mettre le truc de bouffe ici. Non, plus par là, je pense. Là, contre cet arbre, ça me paraît bien, non? Donc déjà, je leur fous ça. Contre l'arbre, là. Ouais, c'est parfait contre l'arbre. Et l'enclos de reproduction... Ah, yeah. On pourrait le foutre. Ici, du coup, on va le foutre là. Je sais même pas comment ça fonctionne, l'enclos. Ah ouais, c'est max grand, par contre. Oh, je peux aller là-bas, encore. Attends. Attends, je peux explore là. Révélio. Heureusement que j'ai mis ce clic en Révélio. Il y a un coffre en plus. Parfait. Sol peu surélevé. Alors comment ça fonctionne cette merde? Choisissez une espèce. Dans 29 minutes. T'es solo ma gueule là, il est où ton partenaire? Élever des créatures uniques 1 sur 10. Pour ensemencer plus d'animaux, invoquer un autre enclos de reproduction ou attendez. Ah, on peut en mettre plusieurs? Jure? On peut en mettre combien? Autant que je veux? Mais c'est pas, ils sont pas prêts, je vais les faire ken de fou. Hein. Ça va ken à balle, hein. C'est par contre, ce qui est dommage, c'est quand tu crées, tu fais des sortes de créations comme ça, que tu peux pas plus surélever la map. La map, qu'est-ce que je dis? Plus surélever ta caméra, tu vois. Est-ce que... Attends, toi, mets-toi là, Dospi. Ah, il est en... je voulais les mettre côte à côte, en fait. Bon, c'est pas grave, ce sera comme ça. Bah du coup on va faire les sombrales plus les crapauds violets géants. Hein. Ah, ils ont pas tous le même... Ok bah attends, on va aller faire ça de partout. Chaque enclos du coup. Ah ouais, je me suis perdu, j'aurais dû faire un... Je savais pas que ça allait me donner ça. Sinon j'aurais fait un épisode dédié à ça, vous êtes des fous. Allez, allons à la plage. Putain, on va reproduire El Céleste. Voilà ma gueule. C'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu vas... Voilà. Tu vas ken aujourd'hui, El Céleste. Je te le dis, moi. Non, c'est pas ça que je voulais. El Céleste, c'est ton jour, ma gueule. Là-bas, je peux aller derrière, mais je m'en branle. Hein. On va les mettre côte à côte comme ça, non? J'ai pas l'intention de faire de la déco pour l'instant. Alors. Hop. Et là, il m'en faut 3 du coup. En fait, il va m'en falloir 4. 4 par machin. Eh ? Licorne juvénile, elle sera jaune. Voilà, El Céleste. Ça va, ma gueule ? T'es beau gosse. Et c'est stylé, ils ont fait un décor par créature quand même. Hein. Et là, du coup, il faudrait encore que j'en repose un du coup. Ah, ça prend maxi de la place par contre. Hein. Non mais dégagez. Dégagez les animaux. Pousse-toi. Je peux le mettre à côté. Putain, mais quelle bande de casse-couilles ces animaux. On va faire un truc. Ah, ils ont pris El Céleste. Ok, il n'y a plus personne ici. Faut que je profite avant que quelqu'un vienne poser son cul là. Ah, je peux pas le mettre plus loin. Bah du coup, il va être mis comme ça, hein. Et du coup, ça va être 4 par enclos.
Voilà, ça va être 4 par enclos, qu'on peut mettre 4 espèces par enclos du coup. Bon, j'ai un peu mis à l'arrache, mais on s'en branle quoi. Stylé. Parfait, donc on revient. Ah, du coup, voilà, vous verrez ça dans le prochain épisode ce que ça fait, hein, parce que moi-même je ne sais pas. Du coup, on va aller dans celui du milieu maintenant. Et ça me donne envie d'aller chercher des créatures. En fait, cet enclos-là, c'est celui qui a largement le plus de place pour build. Hein. C'est le seul qui a autant de place pour build. Hein. Donc, il y a moyen que dans celui-ci, que je m'amuse à faire de la déco autour... Putain, faut que je les invoque, les animaux. Que je fasse de la déco autour des enclos. Il hein. y a moyen que ce soit le seul. Hein. Tiens, le piaf, il s'est envolé instant. Putain, mais quelle bande de connards. Par contre, je vais les foutre à l'arrache pour l'instant, sinon je les aurais bien mis ici, mais en fait, j'ai envie de faire un truc. J'aime pas trop construire. En fait, là, le jeu te propose pas mal de possibilités d'après ce que j'ai vu sur TikTok. Mais j'ai pas envie de plus que ça pour l'instant. De le faire maintenant. Alors, un... Attends, pourquoi je peux pas le poser, là? Bon, ça, l'espace sélectionné est occupé. Ben voilà, 2, 3 et 4. Pour l'instant, on va mettre ça comme ça à l'arrache. Là, parfait. Par la déco, toi. Stylé. Et toi, c'est ça. Stylé. Et toi, c'est les chatous. Stylé. Mais attends, mais je peux encore remettre. En fait, on peut en mettre autant qu'on veut. Il doit y avoir au moins une espèce... Un espace disponible dans le vivarium pour élever une nouvelle créature. Ah, j'ai plus d'espace. Ah, d'accord. Eh, j'espère qu'ils grandissent quand même, les animaux. Donc là, j'ai plus de place. Ah, mais ça veut dire que si je remplis tout, donc en fait... On peut mettre 4 créatures, enfin 4 espèces. Donc tu fais une espèce, deux espèces, trois espèces. Et un de reproduction de chat. Ah, même pas. Il n'y a pas assez de place en vrai. Ah bah si, tu fais une espèce, deux espèces, trois espèces. Une, deux, trois, quatre. Et après là, t'as le choix pour encore une espèce, enfin un de chaque, un couple quoi. En fait, il faut les mettre que par deux. Ok. Bon bah, ce sera tout pour cet épisode les amis, merci d'avoir regardé et à plus dans une prochaine vidéo, ciao!